fatigué. Et sinon, qu'est-ce que vous pouvez encore apporter de nouveau au public après tant de tournées et tant de concerts? Bah, d'abord des nouveaux spectacles, ma musique évolue. Et puis si vous pensez à la fatigue physique, je me sens plus en forme qu'à 30 ans. Voilà. Ah, c'est moi. Le sport. Retournez, on fait figure un peu de petit poussé, puisqu'on sera peut-être la plus petite commune de France à vous accueillir, à savoir qu'on a 900 habitants. Est-ce qu'une date comme celle-ci, où finalement vous venez prendre un stade, prendre un zénith, mais dans une immense prairie où on va accueillir 35 000 festivaliers, ça a un caractère particulier pour vous? Ça me rappelle des souvenirs. À une certaine époque, au début, que je connaissais d'ailleurs, où j'ai rencontré Jean-Claude Camus, donc il y a bien longtemps, nous étions jeunes et beaux. Oui. Pas toi beau, moi jeune. Un jour, j'arrive comme ça dans un champ. Il y avait que des vaches dans ce bruit. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on fout ici? Et alors, il avait plu, il y avait de la boue partout. Et puis, donc, il y avait une espèce de petite caravane où je devais me changer. Et je rentre dans cette caravane, puis j'attends. Et vers 9h du soir, j'entends un boucan, mais un boucan Johnny. Puis je sors de la loge, je vais derrière la scène, je monte l'escalier, je vais derrière la scène dans la tente, et il y avait 25 000 personnes. J'ai dit, mais d'où ils viennent? Donc vous voyez que. Ben, les prés, c'est pas si mal que ça, quoi. Quand il n'y a pas que des vaches. Johnny, ça fait 40 ans que vous sillonnez la francophonie, les scènes de la francophonie, les petites, les grandes, les moyennes. Est-ce que le plaisir est toujours le même ou est-ce qu'il a évolué avec les années? Est-ce qu'il a pris des couleurs différentes? Le plaisir d'être sur scène. Non, l'envie est toujours là. Le trac est de plus en plus grand. À 20 ans, je n'avais pas de trac. J'allais, il faut y aller, bon, on y va. Aujourd'hui, plus ça va, plus j'ai le trac. J'ai le trac, bon. Peut-être de m'être trompé, de peut-être que ce ne soit pas aussi bien que le dernier spectacle, ou est-ce que je ne suis pas trompé de direction et que ça me plaise moins au public. Enfin bon, des choses comme ça, des choses toutes bêtes, mais ce sont des choses qui m'empêchent de dormir. En ce moment, surtout, alors je dors une heure, je me réveille une heure, je dors une heure, je me réveille une heure, et alors c'est-à-dire que je dors comme les bébés. Quoi. Une heure je dors, une heure je pleure, une heure je... J'envisageais plus comme ça, voilà. Parce que ça fait beaucoup de gens qui te voient au voilà, premier, je suis assez d'accord. Tu sais quoi, on va le répéter, comme ça me semble plus équilibré, on mettra ça, je vais enlever les autres pour l'instant jusqu'à demain. L'effectif musical est vraiment très audacieux et vraiment intéressant cette année parce qu'on a fait volontairement le choix d'une équipe resserrée avec des guitaristes, une rythmique, des percussions, chose qu'il n'y avait pas eu depuis bien longtemps dans les spectacles de Johnny. Pas de synthé, juste un saxophoniste, un multi-instrumentiste, quelque chose dans un dispositif qui est très énergique, très brut, qui me semble très très puissant et très très intéressant. Changement dans mes musiciens, c'est-à-dire que j'ai toujours gardé mon guitariste fétiche Robin Le Couturier, mais j'ai changé le bassiste, j'ai changé le batteur, j'ai gardé l'ancien guitariste également qui est canadien. Nous avons une nouvelle choriste qui s'appelle Amy Keys, qui est une chanteuse américaine extraordinaire, avec qui d'ailleurs je vais faire un ou deux duos. Somewhere, all your troubles to share. She'll wipe out the mess.
Première partie du spectacle, ça se passe dans un opéra qui aurait été détruit. Cette envie, c'était de l'emmener vers un univers qu'on n'avait jamais touché, qui était celui de l'opéra. Et évidemment, quand on dit opéra et Hallyday, il faut faire un ajustement. Et donc, bombarder l'opéra nous a semblé une bonne idée. Souvent, on parle toujours de surenchère, qu'est-ce qu'il y aura de plus. C'est pas plus, nous, qu'on cherche, c'est différent. Ah, vous l'avez pas rentré, ça y est. Et effectivement, l'idée que ce décor évolue pendant le spectacle, ce qui fait en fait que les gens ont deux spectacles dans un presque. Enfin, ils ont deux décors complets, très différents l'un de l'autre. Donc voilà, c'était pour faire plaisir aux gens. C'est un bijou. Ah ouais. C'est extraordinaire. À part deux, trois réglages. Au début, tu vois, quand il y a le truc, les rafales, le bombe, ouais. Et que l'orchestre rentre avant l'entrée, c'est trop faible. Il faut que ça vibre. D'accord. J'aime bien finir mes spectacles par une chanson. Traditionnelle française, ce sont des choses, même si on fait du blues, même si on fait du rock'n'roll, ce sont quand même des petits bijoux qu'il ne faut pas oublier. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une impossible fièvre. Partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure, oui, d'atteindre l'inaccessible étoile, télémaquette, suivre l'étoile, peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps. Faites attention parce que voilà, je vous souhaite à tous un bon spectacle. Merci. C'est bon pour toi? On est parti tout doucement. Merci. Ok, merci.
papa. Regarde le petit papa. Comme Mozart, Daniel Harding est un musicien précoce. Il a dirigé son premier opéra ici en 1998. Il avait 24 ans. Depuis, il a ouvert la Scala de la France et il conduit les enfants. Ah bah écoute, je m'en parle pas. Non, je profite des derniers moments de crime ici. Avant d'y aller. Tu me l'as mis sur 6? Oui, c'est sur 6. Bien messieurs, je vous souhaite un bon soir. Ah non, mais c'est affreux, c'est le pire. Ah, c'est le pire.
On s'écrit Anne Cassel. Non, mais je crois qu'on c'est pas belge, par hasard. Non, pourquoi? Bonsoir. Je dois à des gens comme vous parce que c'est grâce à vous que je suis là ce soir.